Denis Duboul étudie la biologie à l'Université de Genève, où il obtient un PhD dans le domaine de l'embryologie des mammifères en 1984. Il débute sa carrière comme post-doc et groupe leader à la faculté de médecine de Strasbourg, CNRS, puis au laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg. En 1993, il est nommé professeur ordinaire à l'Université de Genève, où il dirige le département de génétique et évolution depuis 1997. En 2001, il prend la direction du pôle d'excellence aux frontières de la génétique et celle de la division médecine-biologie du FNS en 2012. En 2006, il est nommé professeur ordinaire à Lausanne, où il dirige le laboratoire de génomique et du développement. Il est nommé professeur au Collège de France en 2017. Il est l'auteur de nombreux articles, seul ou en collaboration, dans de nombreuses publications scientifiques. Et le titre de son intervention est « Génétique et forme, les limites d'un rêve ». Je vous remercie. Chers Alain, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, le titre de ce colloque qui implique à la fois la forme naturelle, celle des objets vivants ou inertes qui nous entourent, et les formes issues de la création artistique, qu'elles soient musicales, architecturales, littéraires, m'a remis en mémoire les contributions scientifiques importantes de notre collègue Perry Alberche, avec lequel j'ai eu la chance d'entretenir des relations professionnelles interrompues par son décès prématuré en 1998 à l'âge de 44 ans. Perry était catalan. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous montre ce chef-d'œuvre absolu de Mies van der Rohe qui construit en 1929 ce pavillon allemand à l'exposition internationale de Barcelone. Une image sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes pour une raison précise. Perry travailla longtemps au Muséum de Harvard, à proximité de Stephen G. Gould, et l'un comme l'autre s'intéressèrent à la genèse de la forme des objets biologiques, et en particulier aux deux questions essentielles qui en découlent, à savoir, d'une part, le problème de la diversité des formes, et d'autre part, la question de la discontinuité de ces formes. Et je vous montre un exemple ici, magnifique, d'une famille d'insectes hémiptères qu'on appelle des membracidés. Et vous voyez cette explosion de formes toutes plus belles les unes que les autres au sein d'une même famille d'insectes. Dans cette publication de 1989, Alberche formule ces deux questions sous la forme d'un diagramme qui représente les espaces phénotypiques possibles, donc des possibilités de formes, en utilisant deux paramètres, deux mesures, X et Y, qu'il n'est pas vraiment nécessaire de préciser ici. On s'aperçoit alors que des groupes de formes se forment, divergent, se distinguent les uns des autres, mais également que toutes les combinaisons ne sont pas possibles, ce qui introduit donc une discontinuité. Or, cette discontinuité peut être comprise de deux façons radicalement différentes, qui sont en fait le reflet de deux positions philosophiques qui sont également radicalement différentes. Dans le premier cas, ces formes ont existé, mais ont disparu par manque d'adaptabilité, de performance, de fitness, de succès dans leur milieu ambiant. Dans cette vision, la nature est un continuum, et la discontinuité n'est que le reflet de l'action de l'environnement qui va soustraire peu à peu les formes que l'on pourra qualifier d'illégitimes. Cette vue est largement majoritaire aujourd'hui parmi les biologistes et fut qualifiée de fonctionnaliste par Stephen G. Gould en 1986, puis d'une façon peut-être un peu plus précise, d'externaliste par Alberche en 1989. L'autre position théorique que Gould qualifia de structuralisme reflète la capacité potentielle des systèmes vivants à générer de la discontinuité sans l'aide du milieu externe, dont la fonction sera simplement de garder ou d'éliminer ces nouvelles formes sans aucune action sur leur sculpture. Ce mot de structuralisme était probablement trop confus pour Alberche et sa connaissance de la culture française du milieu du siècle passé. Il le remplaça donc par la notion d'internalisme qui, à mon avis, fait plus de sens. Contrairement à une vue externaliste, cette vue de l'évolution biologique
prend en compte le phénomène de la variation en priorité et relègue par conséquent le concept de la sélection naturelle à un rôle certes important, mais peut-être pas primordial. En effet, comme vous le savez, la théorie de l'évolution repose sur deux grands piliers, dont l'importance relative en fait est une source de controverse depuis la mise en forme de cette théorie par Charles Darwin en 1859. Et là, je parle de mise en forme car je vous rappelle tout de même que Darwin avait lu à la fois Malthus et son principe des populations, ainsi que Auguste Pyramus de Candolle et sa notion de la guerre que se livrent les espèces végétales dans ce cas particulier. Le premier pilier est celui de la variation, le changement des formes, l'émergence de la différence, et le second pilier est celui de la sélection de la forme la plus adéquate, ce phénomène de la sélection naturelle qui marquera de son nom cette théorie. La vue externaliste implique des changements très progressifs, un façonnage imperceptible par lequel chaque organe, chaque structure peut donc évoluer de façon autonome, de façon presque détachée de l'ensemble. C'est évidemment là le message transmis par l'interprétation classique de la théorie de Darwin qui, insistant sur le travail de la sélection, implique en quelque sorte que la variation n'est pas un paramètre vraiment sensible, que par conséquent cette variation est aléatoire et progressive. Comme toutes les formes peuvent être produites, c'est bien le choix en aval qui sera donc essentiel. Cette vue est bien entendu politiquement très correcte et acceptable. Elle l'a même été un temps par le Vatican, puisqu'elle sous-entend une addition de formes idéales, conduisant donc à un objet biologique lui-même idéal, nous-mêmes, à l'image d'eux. Cette perfection peut être associée soit aux conditions du milieu, une vue que l'on appellera adaptationniste, par laquelle, par exemple, des yeux aux performances très différentes, les yeux des mouches ou les yeux des aigles, par exemple, seraient tous parfaits dans des contextes environnementaux différents, soit à un élan téléonomique qui viserait à atteindre un but précis, l'Homo sapiens. Je rappelle, dans l'évolution créatrice, Henri Bergson écrit en 1907, « La route que nous parcourons dans le temps est jonchée des débris de tout ce que nous commencions d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir. » On devine bien dans cette notion de débris qui renforce dans son esprit ce chemin conduisant à l'être humain, revenant ainsi presque à l'échelle des êtres vivants proposés par Charles Bonnet au milieu du XVIIIe siècle. Je me permets de citer Henri Bergson, car il était considéré comme père et alberge, comme l'un des précurseurs des théories internalistes. En effet, dans sa publication de 1989, alberge mentionne « Je fais référence à cette tradition philosophique comme internalisme. Cette approche, plutôt que de se focaliser sur des forces extérieures de l'évolution, renforce le rôle des facteurs internes, ma traduction. Les théories internalistes, finit-il par écrire, ont une longue tradition minoritaire en biologie de l'évolution. » Et le point intéressant, c'est qu'il donne là une liste de références, dont la première est Bergson 1907. Ces théories internalistes de l'évolution prennent plusieurs formes, bien entendu, et Bergson nous en donne une version extrême, proche d'une forme métaphysique par laquelle une force interne mystérieuse conduirait l'évolution des formes vers ce que nous sommes devenus, en laissant de côté ce que nous aurions pu devenir. Bien que cette pensée, qui n'est pas très éloignée du mouvement du dessin intelligent, en fait, ne fasse pas partie des outils conceptuels utilisés aujourd'hui pour penser l'évolution, le principe sous-jacent d'une perfection de la forme humaine qui serait plus parfaite dans l'absolu, donc sans considérer l'adaptation que celle des autres animaux, est toujours fortement ancré dans les représentations que nous avons du vivant. L'importance historique de la sélection naturelle, de cette force touchant chacun des éléments des corps vivants, suggère une adaptation sans limite des formes aux contraintes de l'environnement. Cette croyance aveugle dans un adaptationnisme omniprésent est sans doute la conséquence la plus néfaste du statut actuel quasi-religieux de la théorie de l'évolution, un statut qui provient plus d'une interprétation sommaire de cette théorie que des écrits de Darwin lui-même.
Une critique intelligente de l'adaptationnisme fut faite par Stephen G. Gould et Richard Levantine en 1979 en introduisant ce qu'ils appelleront le paradigme de Pangloss, faisant référence au Candide de Voltaire, à savoir la propension des scientifiques, inconsciemment peut-être, ou de tous, plus consciemment peut-être, à considérer les formes vivantes comme étant les plus belles du monde, pour reprendre un vocabulaire panglossien. Mais cette critique n'a certainement pas suffi à renverser cette tendance qui persiste, probablement de par sa nature ontologique, constitutive de notre conscience collective, d'êtres humains, nous sommes des formes parfaites. Par opposition, le cœur des théories internalistes se trouve dans la discontinuité obligatoire des formes, non pas des formes visibles sélectionnées, mais bien des formes produites, générées par les systèmes vivants. Et parmi les précurseurs de ces théories se trouve l'école anglaise des méristes. Je citerai en particulier William Bateson et Edwin Ray Lankester, qui tous deux étaient bien entendu des supporters ardents de Charles Darwin. En 1897, Bateson écrit « J'ai argumenté que des variations de nature discontinue pourraient avoir joué un rôle prépondérant dans la constitution de nouvelles espèces. » Bateson propose le terme de mérisme ou de série méristique pour la structure en étage en segments du corps de nombreux animaux, le nôtre inclus. Il transpose ainsi l'objet biologique dans un espace d'ingénieur et d'architecte, un espace où la répétition des modules, qu'ils soient identiques les uns aux autres, ce qu'on appellera homomérie, ou légèrement différents les uns des autres, ce qu'on appellera hétéromérie, est une base de construction. Ces travaux seront renforcés, bien entendu, en 1917, par la publication de l'ouvrage de Darcy Thompson, qui a été mentionné ce matin. Edwin Ray Lankester, lui, proposera même une série, non pas de principes, mais de lois, laws en anglais, touchant à la segmentation des corps des arthropodes, des insectes. À cette mise en étage, une liste d'impossibilités en quelque sorte, de formes, qui ne seraient pas seulement non retenues, mais simplement non produites. Par exemple, l'intercalation impossible d'une structure entre deux structures voisines. Imaginons l'équivalent chez nous, qui pourrait être l'une de nos vertèbres lombaires, qui soudainement porterait une paire de côtes. Eh bien, seule la vertèbre voisine des vertèbres thoraciques pourrait avoir cette anomalie qui semble autrement être totalement interdite. Cette liste d'interdictions ressemble à s'y méprendre à la liste des choses impossibles à faire lors de la construction d'un immeuble. Dans ce cas précis, cela reviendrait à mettre le toit entre le 7e et le 8e étage, ce qui, à l'évidence, est impossible. Ces impossibilités, qu'elles soient biologiques ou architecturales, répondent simplement aux règles génératives de ces objets qui font que toutes les possibilités ne sont pas permises. Une des règles importantes dans la construction est la force de la gravité qui, évidemment, représente une des contraintes principales dans la génération d'une forme. Et si on revient à ce merveilleux pavillon de Mies van der Rohe, on peut voir ces piliers que l'on essaye, ces piliers ici, que l'on essaye de cacher, de dissimuler dans la verticalité du pavillon, mais qui, de toute évidence, ne sont pas là comme éléments esthétiques. Cette notion de contrainte est une notion essentielle dans l'émergence d'un objet vivant. Contrainte imposée par l'environnement, bien entendu, dans un schéma externaliste, mais surtout contrainte imposée par la nature et l'histoire de notre plan de développement, donc de notre ADN et de ses propres règles de fonctionnement, qui font que, là encore, la marge de manœuvre est relativement restreinte. À cet égard, la forme finale de l'être humain, l'aspect relativement invariant des bébés à la naissance, reflète non pas une construction positive, un phénomène d'addition successive d'éléments, tous plus étonnants les uns que les autres, mais plutôt une sorte de navigation obligatoire à travers un chemin génétique tracé qui doit permettre en fin de parcours de trouver la solution unique à cet algorithme formidablement complexe qu'est notre génome. Cette équation semble toutefois avoir quelques solutions alternatives, toutes conduisant
à une sorte d'incomplétude de cette forme, mais toutes pouvant être classées d'une façon ou d'une autre parmi des groupes de solutions. C'est là le monde des monstres, de ces anomalies qui nous déconcertent et qui nous effraient, mais qui sont riches d'enseignements, comme l'a écrit Alain Fleischer dans son texte d'introduction à ce colloque. Ces formes monstrueuses, ces foetus que l'on peut voir exposés dans des bocaux dans toutes les facultés de médecine, ont en commun une caractéristique fondamentale qui souvent passe inaperçue. Leurs parties monstrueuses sont toutes et toujours identifiables. Ce qui permit d'ailleurs à Étienne Geoffroy Saint-Hilaire d'établir leur classification dans les années 1820. Des membres supplémentaires, un œil unique, un cerveau réduit ou plein d'eau, deux têtes, que sais-je, mais jamais de monstre qui montrerait un trait non reconnaissable. Une innovation morphologique, quelque chose qui demanderait un nouveau qualificatif. La nature ne sait pas faire n'importe quoi. La monstruosité est tout aussi contrainte que son absence, et les classes de monstres ne font que représenter des solutions certes minoritaires, mais stables et constantes, à l'équation génétique à résoudre par l'embryon. Dans son texte « La logique des monstres », Alberch utilise cette observation pour argumenter en faveur de l'existence de fortes contraintes internes, d'une discontinuité dans l'organisation de nos structures et de forces génératives locales ayant leur propre téléonomie. Par exemple, une structure surnuméraire apparaissant au niveau de la ceinture scapulaire aura toujours la forme d'un bras. Par contre, une structure surnuméraire poussant au niveau de l'abdomen sera toujours une jambe. Par conséquent, le niveau corporel duquel cette structure monstrueuse émergera fixera le destin final de cette forme. Ce sera bras ou jambe, mais rien d'autre, ou rien d'intermédiaire, rien qui ne puisse être qualifié par des mots qui n'existent déjà. Le développement des formes embryonnaires se fait par l'obéissance à des lois qui sont formulées au fur et à mesure de la lecture du code génomique. Et à cet égard, il ne s'agit donc pas pour l'embryon de réussir son développement, mais plutôt d'essayer de ne pas échouer dans la lecture du mode d'emploi, une vue qui tient plus de Schopenhauer que d'une aventure épique. L'existence de ces fortes contraintes internes est naturellement antinomique d'un schéma évolutif gradualiste, orthodoxe, un schéma dans lequel la discontinuité des formes générées est interdite. Le savant étant allé probablement le plus loin dans l'énoncé de cette alternative, sans avoir recours à des éléments métaphysiques, bien sûr, est sans doute Richard Goldschmidt et ses monstres prometteurs. Dans son ouvrage sur The Material Basis of Evolution, il écrit « Le changement d'une espèce à une autre n'est pas un changement qui implique des toutes petites étapes, ce qu'il appelle des « atomistic changes », mais un changement complet des patterns primaires ou des systèmes de réaction dans un nouveau système de patterns de réaction » qui ensuite peut aller au travers de changements de micro-mutations. Il fait donc une distinction très claire entre des microformes apparaissant de façon subtile et graduelle au sein des mêmes espèces et des macroformes qui seraient à l'origine d'événements de spéciation. Dans cette théorie, la nature fait de nouvelles espèces par de grands sauts évolutifs et les adapte ensuite plus finement par des petites variations. Cette vue n'est certes pas majoritaire parmi les biologistes de l'évolution. Elle a même souvent été condamnée par les membres les plus éminents de cette discipline. Mais depuis une trentaine d'années, l'étude de l'évolution de nos génomes, nos chromosomes, a apporté des informations essentielles dans ce contexte. La plus importante, d'un point de vue théorique, fut la première, à savoir le fait que le génome humain n'est pas très différent de ceux des mouches ou des vers de terre. Certains d'entre vous, sans doute, se souviennent des estimations du nombre de gènes attendus pour les humains, qui étaient entre 100, 120, 150 000, sachant que la petite mouche du vinaigre, la drosophile, en avait à peu près 16 000. C'était là le compte de notre supériorité. Et pourtant, nous n'en avons qu'une vingtaine de milliers. Je me souviens également très bien que des journalistes me demandaient « N'êtes-vous pas terriblement déçus par ce nombre ?» comme si une quatrième blessure narcissique était venue se rajouter à celle infligée par Copernic, Darwin et Freud, une sorte de vexation génomique
la démonstration de quelque chose dont nous doutions déjà, mais qui tout de même fut difficile à admettre. En fait, cette blessure, comme les trois autres d'ailleurs, a conduit à une vraie rupture épistémologique, à un changement radical dans la nature de la question de l'évolution des formes. Il y a eu l'avant et il y a maintenant l'après. À la question « comment les insectes peuvent-ils être si différents des mammifères ?», la réponse avant était simple. Les insectes ont des gènes d'insectes. Aujourd'hui, nous savons que les insectes n'ont pas vraiment de gènes particuliers qui ne se retrouveraient pas dans le génome des humains. Et par conséquent, la question est inversée. Comment se fait-il que nous autres êtres humains ne ressemblions pas à des insectes, puisque nous partageons nos gènes avec eux ? La solution à ce problème est bien entendu dans l'utilisation différente des mêmes éléments génétiques, car la nature est parcimonieuse et il était probablement plus simple de faire différemment avec les mêmes gènes plutôt que de produire de nouveaux gènes, ce qui est bien compréhensible pour les biologistes moléculaires qui connaissent les mécanismes mis en jeu. Cependant, faire plus avec les mêmes éléments de codage implique de les utiliser à plusieurs reprises et dans des contextes variés. Ainsi, un gène chez les animaux vertébrés est-il généralement utilisé à maintes reprises pour participer à l'élaboration de formes différentes, à des temps différents, dans des lieux différents. Les gènes deviennent donc multifonctionnels, ils sont au four et au moulin. Pour reprendre une image architecturale, il faut imaginer des ouvriers spécialisés qui cumuleraient les compétences, un maçon qui serait également capable d'installer des caméras de surveillance et qui montrerait également des cuisines. Le même nombre de travailleurs, mais chacun exerçant plusieurs corps de métier. Cela représenterait bien entendu plusieurs avantages, mais cela poserait également un problème majeur. L'absence d'un seul de ces travailleurs aurait un impact rédhibitoire sur la construction, car de nombreux postes seraient affectés. En génétique, cette multifonctionnalité des gènes est appelée pléiotropie. Et la défaillance d'un seul gène travailleur, par exemple sa mutation, conduit à ce que l'on qualifie généralement de syndrome, à savoir de maladie ou de malformation dans lesquelles de nombreux systèmes, de nombreux organes ou de nombreuses formes sont touchés. Cette pléiotropie conduit donc à un équilibre génétique global qui est le résultat à la fois de l'utilisation multiple des gènes et de leur mise en réseau. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi les changements ponctuels, les petites variations, n'ont pas une grande valeur heuristique pour approcher la spéciation. Elles changeront peut-être des détails, mais c'est bien l'équilibre entier qu'il faudra faire basculer pour un vrai changement de forme. Dans cette vue des choses, une évolution des formes de type gradualiste n'est pas à opposer à une évolution saltationniste. Ce sont simplement deux effets des mêmes causes, mais induites dans des objets biologiques de complexité différente. Chez les bactéries, il est communément admis que chaque gène a une seule fonction. Ces organismes évoluent très rapidement et de façon extrêmement graduelle, se trouvent donc probablement dans un schéma externaliste avec des changements très peu importants, graduels, indiqués ici en pourpre. Chez les animaux vertébrés, à l'inverse, les gènes sont multifonctionnels et l'équilibre général semble être très stable, avec peut-être une prépondérance d'un schéma internaliste, des changements très importants, indiqués ici en vert. En fait, il existe donc sans doute un continuum entre une évolution graduelle et une évolution brutale, un continuum qui suivrait en quelque sorte le niveau de complexité des formes d'un organisme, qui est une notion qui reste bien entendu à définir. Cette vue des choses qui semble relativement logique est cependant très controversée, à la fois dans la communauté scientifique et au sein du grand public. Dans la communauté scientifique, les monstres prometteurs de Goldschmidt sont toujours utilisés comme un exemple de théorie un peu farfelue, un peu comme les travaux de Lamarck, malheureusement. Mais les raisons de ce rejet sont bien plus profondes et beaucoup plus intéressantes qu'un simple désaccord scientifique, me semble-t-il. Premièrement, la notion d'équilibre génétique est une notion dangereuse.
elle implique qu'aucune de nos parties ne se rapproche de la perfection, que seul l'ensemble est relativement bien adapté aux conditions externes. Cette idée dérange, car nous aimons penser que nos organes, nos systèmes sont proches de la perfection. L'idée même que nous serions des objets biologiques assez peu performants, mais suffisamment adaptés pour survivre, n'est pas très populaire, et est souvent balayée au motif de l'existence de nos extraordinaires capacités cognitives, de notre conscience, bref, de choses qui, dans le fond, sont relativement mineures dans le contexte du règne animal. Ensuite, cette idée est mal acceptée, car la dégénéticalisation de la plupart de nos traits morphologiques et physiologiques, je veux dire par là la déconnexion entre un trait particulier et un gène, pose des problèmes sérieux à la fois aux lobbyistes de la médecine génomique personnalisée et aux défenseurs d'un post-humanisme génétique. En effet, si nous ne sommes pas un simple assemblage de fonctions génétiques ponctuelles et distinctes, alors comment allons-nous utiliser nos connaissances du génome pour soigner ou pour prévenir? Et comment utiliser ces connaissances pour penser un post-humanisme sérieux, un nouvel équilibre, plutôt que de petites interventions ciblées sur des caractères précis? Dans une vue eugéniste classique, comment sélectionner les caractéristiques de nos enfants si celles-ci dérivent d'un équilibre général? Et puis finalement, nous détestons l'idée de faire l'objet de contraintes, qu'elles soient d'origine externe ou interne, bien que nous aimions nous en imposer. Or, l'idée d'une forme corporelle obligée, une sorte d'oulipogénétique, conduit naturellement à questionner la liberté de notre substance pensante, de notre libre arbitre. En fait, nous utilisons souvent les contraintes de forme pour expliquer des contraintes de fond. Je n'ai guère de liberté pour imaginer un bâtiment original, puisque de toute façon, le toit doit être sur le dernier étage. Et c'est là que se place le rêve de la forme, l'idée abstraite d'une forme flottante, légère, qui serait libre de toute contrainte générative, que cela soit dans le monde du vivant ou dans celui des arts. Ce rêve de la forme, que ce soit celui de la forme actuelle comme idéal humain ou le rêve sans doute plus pertinent d'une forme idéale à venir, est un rêve qui d'ailleurs est lui-même grandement limité par la capacité réduite de notre inconscient à imaginer autre chose que ce qui est déjà arrivé. Et à cet égard, laissez-moi terminer en revenant à Perret-Alberche, qui était également un expert reconnu de la peinture de Juan Miró, un autre natif de Barcelone. Alberche utilisait cette œuvre pour illustrer ses propos à la fois sur les forces internes qui en même temps génèrent et limitent la création. Il aimait relever la présence récurrente de toujours les mêmes petits symboles dans les peintures retrouvées dans les toiles de Miró. Et il se plaisait également à reconnaître des formes existantes, même dans ces monstres les plus abstraits, comme il le faisait également, d'ailleurs, avec d'autres images de créatures imaginaires, comme par exemple cette image magnifique tirée de la grotte des trois frères du Paléolithique supérieur, ou ces images tirées du livre de Codex Serafinianus de Luigi Serafini, publié vers la fin des années 70. Je vous remercie de votre attention.